Winner Bracket de ce tournoi de Zix. Et je sens que c'est Milania, alors toi Milania c'est sûr, qui va probablement jouer contre Kenneth. Milania, avec son rondin, c'est celui qui a probablement le plus de chances d'impressionner tout son monde. Toyox, on a tous les deux été champions de 2X, souviens-toi, à la World Game Cup, t'as un pronostic à faire là-dessus. Je pense que c'est Daigo qui va gagner dans cette finale. Daigo, John, ouh, il a déjà stun Kenneth, hein. Je sais pas pourquoi il a fait un bon point ici sur la relevée, plutôt que d'essayer d'ambiancer un tout petit peu plus son adversaire. Reçoit le PNP, et tout termine dans la garde avec un 0 de vital. Et c'est Dictator qui prend le Winshot Oh non, on va dire en négative. Milania, c'est quand même une team composée de, on va dire, d'un mix-up franco-étranger et une team eh bien 100% française ici. Avec évidemment la team 3 Eco qui va affronter les perdants. Et là, il va y avoir également un gros challenge. Ah, un petit point, il est là, Ochonage. Est-ce qu'il le refait? Ah, il ne refait pas, il préfère le mixer, le rester dans le coin. C'est incroyable, le pressing que met Milania. 1-0 pour la Team New Generation. Et un Milania qui vient de se poser. C'est la finale winner bracket, hein. Il a marqué grande finale. C'est bien la finale winner. Et c'est Justin Wong. Oh my god, Justin Wong dans un match-up approximativement 6-3 pour Milania. Mais avec de bonnes possibilités offensives hein, pour Honda lorsque l'on les bonnes opportunités de Justin Wong qui lui fait pas moyen Tiger Shot, Tiger Uppercut, voilà c'est un mec qui joue les bases et qui se fait ici coincer avec une bonne gestion de la distance pour les minimales. Alors il a pris quand même Tiger Uppercut là, il est un tout petit peu trop en avant, Tiger Uppercut double touche, mais ça va faire le maximum de dégâts avec cette double touche encore favorable à Justin. Le Justin qui aimerait dire encore une fois sa vidéo Stunfest qu'en France on est tous gratuits et faut pas lui laisser dire ça, ça, faut absolument faire fermer le dossier. Mais d'où ça touche Tiger Uppercut? Oula, qu'est-ce qui touche exactement? Ah, il y a Valayette, il est en train de fermer le match-up. C'est un mec du Japon maintenant, Justin Wong. Et encore une fois, double touche. Et c'est fait, un partout. Mais Justin Wong qui est à présent posé, qui veut jouer, qui a la hargne. Et il faut quand même pointer et enfoncer les portes ouvertes. Il joue un perso dégueulasse. À la limite de la vulgarité totale. Dans la plus pure vulgarité américaine, vous savez. Pick a fucking tortière. Voilà comment ça marche. Allez, la jeune de la nouvelle génération. C'est Balcor, je crois. Je ne suis pas sûr. Hein. Je tiens ma langue, je me dis qu'il y a un match-up 9-1 aussi, hein, puisqu'elle ne peut pas sauter, tout simplement. Justin Wong qui est quand même beaucoup à contre-temps sur ses Tiger Shots, qui se laisse quand même venir ouvrir la garde. Ça marche pas, ça, qu'est-ce que c'est que ça? La mise au soleil est bien, elle sort au varet, qu'est-ce qu'il fait après? Wow! Il a complètement mixé Justin, il essaie de le placer à la chape! Ah, c'est dommage! Il a un peu trop cru en son chakra. Il s'est un peu trop cru vivant. Et malheureusement, Justin l'a immédiatement remis à sa place. Le Let's Go Justin, cette série de Tiger Shot tellement puissante. Le saut vertical qui est quasiment obligatoire, comme je dis, celui a un saut trop haut, et même si vous anticipez, si vous sautez en avant, ben vous prenez double touche. Si vous sautez trop loin, il y a Stan HK. Si vous sautez encore plus loin, il y a Stan Gros Point. Quelle est la solution? Ouais, ça, il y a quand même aussi à mettre 3 hits, même s'il y en a deux plus un reset, parce que là, on a tendance à pas mal balayer avec de Babylon Kick. Justin Wong, la super qui est chargée, mais il a directement arrêté, faut pas se laisser attaquer. Là, la chope est bonne, alors il a plus fait, il fallait finir par super immédiatement. Il reste quand même un espoir, sachant que la super est chargée pour Chabu, et ça peut être le meilleur moyen de renverser cette situation. Il n'arrive pas à sortir du coquette, là, c'est pas possible, est-ce qu'il attend le bon moment? Il va y arriver ou pas? Il a perdu, malheureusement, sa charge. Il essaie de jouer le chrono, mais Justin Wong ne va pas se laisser avoir par ce jeu de chrono. Il est patient, il est patient, il reste 3 secondes, 2 secondes, Justin, il va même pas aller le chercher. Le meilleur campeur du monde qui reprend ses mauvaises habitudes. Il y a un chrono, Justin. Il retourne. Un partout. Et ta gueule, ta gueule, ta gueule Robocop. Le ta gueule Robocop, il est bien dans la gare. Oh là là, qu'est-ce que c'est violent. Qu'est-ce que c'est... Je ne sais pas comment ils peuvent aimer ça, les Américains. Je ne sais pas, ils ont des goûts. Ils ont des goûts, ils aiment la vie, c'est ça. Ils aiment le sentiment de gagner, le sentiment de pouvoir. On ne sait pas, hein.
on sait pas, la guerre, pour faire la guerre il faut des armes puissantes, pour faire la guerre il faut une frégate. Make war. Ah c'est chaud, vraiment très très chaud, la question putain. Je demande un rematch, monsieur l'arbitre. La guerre est faite. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Tiger Shots pleuvent. Ils vont peut-être remplir le Stunfest. Oh là là, mais ils ont que des match-ups de merde, hein. C'est violent. Il n'y a rien, pas un petit Alcide, histoire de contrebalancer. Il va falloir un phénomène du miracle. Mais les films, ça peut être miraculeux, hein. Ça peut vraiment être miraculeux. Ouais, très bon raconté dans ce point d'été de se faire rater par ce Tiger Shot, mais finalement quoi après? Après rien, finalement qu'est-ce qui se passe? Alors le saut vertical retombera dans ce Tiger Shot, et Joss Stone qui a raté un nouveau TS pour le pas. Voilà, Justin Wong, il a la carte de Marvel versus Capcom, hein. Tu lui fais devant, derrière, t'appelles 3 assists, il garde, il en a rien avec. C'est les mecs de Marvel, ça. Ah, bien joué, le décalage de dragon pour casser le garçon. Le redécalage de dragon pour la toute en main game. Oh, il n'a rien à piter, hein. Il a fait 3 dragons à la revue, le troisième est passé. Hein. On avait dit jamais 203, il est très bien sur son moyen pied, c'est dommage de s'être fait choper. Surtout qu'il n'y a pas de déchoppe ici. Attention à ses récupes, parce que là, il prend de la distance avec son arrière gros pied. Il ne faut pas rater son moment. Là, le dragon est dans la guerre, il est fini par Tiger Shot. Et là, il y a peut-être moyen mais il a mis hors sol. Avec un récup cagon puni par la balayette, il y a des dragons aussi. Mon ami, ne te laisse pas. Justin Wong des dragons. Ce gros point qui n'a pas touché, il est à 2 doigts de Tiger Shot et à 2 doigts de la mort. Justin Wong qui se qualifie pour la grande finale de ce tournoi avec Tiger. Beaucoup de Tiger. Ah c'est Megwar, un hot love sur ce stream. Ça c'est sûr que avec ce foudre de Justin. Oui. Bon. D'accord. Voilà, ça va m'aider, d'accord. On va être capable. D'accord, ok. Un peu tard. Les deux et alors un tous. Les trois. Waouh, c'est violent alors. Ah, le Stunfest, ils offrent des lots de 3 joueurs des tournois entiers. Hein. Ça ne rigole pas. Les 3 tout le temps. Attendez, là, je vais vous inscrire à cette table de Stunfest. Les préposés au lot n'en peuvent plus de transporter des cartons. On va donc assister à la finale Loser Bracket entre la team 3 et Costar. Et la 35, hein, Eldrus, Solimictus. Ils sont là, regardez, ils sont beaux. Les Bretons, ils sont beaux, les Rennais. Ah, la caméra s'est cassée la gueule, ils étaient trop beaux. Il n'a pas supporté tant de beauté. Ouais. Ils ont vu Solimictus rayonner sur le stream, ils ont fait « Ah, pas possible !» Je me casse la gueule. Milanea contre Solimictus. Premier match probable de cette finale Loser Bracket. Il est là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, très beau, surtout dans l'Ultra, c'est encore plus beau. C'est vrai qu'il sera plus beau dans l'Ultra, Solimictus, on m'a dit. Hein. Solimictus, ouais, qui représente quand même, hein, ils sont à Rennes, ils veulent pour une fois et bien montrer qu'à Rennes, on est là. Et ce DJ qui se fait millianiser. Oh ya 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 ya. Ça plaît à Narok. Ça plaît beaucoup, hein. C'est violent, là, ce qui vient de se passer. I don't give a shit of the matchup. I don't care. I have no seed to branle, voilà, ça c'est bien rendu, le bon match-up et sur les victimes. Ben, allez, il n'y a pas de super en crack, il ne faut pas jouer comme ça, heureusement que les battus ont été là. Il y a une belle couverture défensive, il y a vraiment de quoi se faire peur. Attention, hein, le mec qui commence sous l'oppresse, n'a pas le temps, très bon arrière, enfin, sur ce petit point. Donc une bonne hitbox peut casser les avantages sous l'oppresse, mais Damien doit attaquer, hein. C'est la clé du match parce que s'il reste loin, bah, c'est 100-0. Hein. D'ailleurs, flash, la knife, et puis on n'en parle plus. Mais là, il réussit tellement bien à gratter son adversaire, et même, il arrive à faire des doubles touches en face, c'est un whiff qui passe dans Ichonage. Et ça, il y avait peut-être moyen de finir, je ne sais pas. Il n'a pas voulu, en tout cas, celui qui fuse, il reste sur ses gars. Et là, super, qui ne peut pas être mis, qui ne va pas être mis, il va la mettre juste ici, attention, parce qu'il a aussi sa super, mais Damien, elle est là. Je l'avais dit, t'avais la super, Ouzou. Oh là là, ce sel qui se répand sur ce costard.
Mais ça fait que un hit costard. Voici le deuxième hit costard. Dame 35, l'homme que j'ai toujours battu dans les rankings 3 hit combo. L'homme qui ne m'a jamais battu. Mais l'homme qui peut peut-être battre Justin Wong. On ne sait jamais. Il faut croire en 935. Believe in 935. Ils sont brûlés là. On commence Milman direct à Milania. Il n'a pas le temps. Il est là pour striker et tuer. Oh, viens dans mes bras, ma poule. Et là, c'est cross-up à cross-up. Tu sais pas. Et là, au direct en booster. Et le démarrage la tête. 10 secondes de match. Vous pouvez applaudir. Hein. Milania, il envoie vraiment du lourd. S'il n'y avait pas un foutu Hulk Sagat, à mon avis, dans l'équipe d'en face, ça fait longtemps qu'il aurait rempli la terre au Tsunagé. Bien sûr, Théo Tsunagé là-dessus. 935, qui sait pas. 935, il trouve la double touche quand même. Une bonne double touche qui va faire un autre temps. Allez, c'est maman. C'est quoi ce spinning on ne sait pas. Très bon reversal, quel choc qu'il y a ici pour empêcher encore une fois. What? Il lui a sauté, il a mis la super dans les dents. Saut avant, super. Voilà, et bien, il ne reste plus qu'un dernier hit combo. Hein. Cet homme a tué. Cet homme a tué toute mon équipe. Hein. Eldruze, préposé au pass. Préposé. Préposé aux inscriptions. Quel déserté à la PNL. On aime la PNL. Regardez, 935 qui est en train de lui faire des bisous. Si tu veux, je peux mettre mon zizi. C'est bon, il est prêt. Il est prêt, c'est la mafia de Rennes. La mafia est là. Il y croit. Hein. Il croit à la puissance de son dictateur. Mais la Milania, il a du coup un versus qui eh bien, s'améliore grandement. Du coup, ça serait un tout petit peu paradoxal si ce dernier ne pouvait pas remonter dans le match et remonter en winner bracket pour bien défendre sa chance en grande finale car il faut le tuer sur le Sagat. Attention, ça allait trop loin peut-être pour le Jonagé, mais... Mais non, mais oui Pablo, évidemment Pablo. Très bon Psycho Crusher, entièrement safe, il y a une position stage HK dans ce Doskoy. La Milania qui s'agace un tout petit peu car c'est vrai qu'il est patient. Eldruze, c'est incroyable, j'arrive pas à croire que le niveau est autant augmenté sur 2X à Rennes. C'est vraiment très très plaisant. Là il y a punition. Il n'y a pas réellement combonté, mais il y a quand même un son moyen point. Le sauvage d'équipe avec ce Doskoy qui a évité le cross-up, mais il y a autre chose à gagner derrière. Il va le beaucoup miniser. Il va le beaucoup miniser. Et là on fait un petit séance canapé mais je dois bien avouer que nos nerfs sont mis à rude épreuve et la Tourette retient son souffle car il faut sortir ce diable de Milania. Un des rares vainqueurs du X-Mania Europe qui a gagné de ses mains ou de son cul avec Honda en plus et de sa tête. Et bien ce X-Mania, oh là là, il recule, il est prudent quand même Eldruze, même s'il est encore tard à l'énergie, tiède presse. Voilà, et c'est ça. Il joue pas le dingue là. Il joue complètement pas le dingue. Du coup, ça va peut-être mettre en confiance Milania qui se dit bah, je peux charger ma barre, je peux faire des trucs, je peux m'optimiser. Et l'autre, la gueule est là. Et ça sent la mort. Et c'est la mort. Milania strike la team 3 et Costard et ressuscite en grande finale. Le peak final. On est bien. Voilà. On est bien. On est très très bien. Bah malheureusement pour les Roisonnais, ça se dit pas. Hein. Hein, comment ça, ça se dit hein, ça se dit. Toi tu approuves. Afro Zouzou approuve le Roisonnais. Hein. Tu valides. Ah bah c'est du walidon. C'est bon. Ah oui, il y a en ce moment sur le stream. Oui. Demi-finale, Smash Bros. Melee, mais on va avoir les finales sur scène peut-être, non? Ah, mais Cosmo est en finale de Smash Bros. Mais mes amis, Cosmo, demi-finale de Smash, il joue plus au jeu qu'il a dit. C'est la phase du 1. Je joue plus au jeu. C'est la Cosmo Energy, c'est ça. Tout ceci sera commenté par Foster, ici présent. Non, je vais laisser les experts commenter avec des matériels d'experts.
Et là, on vibre tous hein, pour la finale. Justin Wong contre The World, Zawalto. Les autres, il fallait remplir l'équipe. Hein. Mais Kenneth, joue très très bien. Kenneth joue très très bien. Après, Malek, j'ai pas le droit de jouer. Il a une idée, on m'a dit à 2X. C'est ça. Et votre shop avec Ivy. 1, 2, 3, oui. Pas moi, ici. D'accord. T'envoies des signes. On demande le dessinateur. J'ai l'impression que Milanéa ne va pas se lever de son siège. Hein. C'est Strike ou Red. Ah si, ils vont changer quand même. Peut-être un Janken qui a été un tout petit peu différent, c'est la grande finale de 2X. Alors attendez, hein. Je veux juste que tout le monde se mette d'accord parce que là j'ai l'impression qu'ils ont pris, on ne sait pas. J'ai l'impression qu'ils ont pris réellement, on ne sait pas. Les persos là, ils jouent pas. Mais rebooter cette borne. Appuyez sur le bouton Home en plein combo. S'il vous plaît. Non, il préfère faire des téléports, c'est mieux. C'est pour mettre dans l'ambiance. Hein. C'est la PNL des joueurs de 2X, on appelle ça. C'est le bouton check arcade, voilà, c'est ça. Alors que c'est la grande finale, là, les amis. Ah, il y a Justin Wong sur Tekken ou sur le stun Tacus. Ah, mais c'est ça. Ça serait possible pour mettre ton premier commentaire en vidéo. Il y a 4, 5, 6 ans. J'aimerais bien voir ça, moi. J'aimerais bien me mettre le quoi gratuit sur les dossiers que j'ai toujours laissés publics, car je n'ai rien à cacher. Et oui, l'entraînement fut dur. On avait créé. Tu te souviens le premier Stunfest avec SNK. Justin Wong était déjà là, mon premier Stunfest en 2009 avec Marne. Oh là là. Oui, mon premier Stunfest, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Mon premier Stunfest, enfin mon premier Stunfest en tant que commentateur, parce que mon premier Stunfest c'était 2008. Voilà, exactement. Mais voilà, ASNK avait soufflé des blagues graveleuses à mon oreille, terribles. Des rapports entre Rufus et Justin Wong dont je ne vois même pas l'idée. Hein. Et ça avait créé un tollé incroyable, oh mon Dieu. On ne respecte pas les joueurs étrangers. C'est du racisme. Stream is raciste. On n'avait même pas stream à l'époque. Ah là là, toutes ces ambiances. Tout ce qu'il a fallu supporter pour arriver jusqu'ici. Mais c'est bon. Est-ce que Justin Wong il va quand même pas gagner tous les tournois? Au moins, il n'a pas gagné Jojo. Hein. T'as vu, il a eu peur de s'inscrire à Jojo. Hein? Oui, évidemment. Ça, il a la chenille du moyen Fury de... Hein? Il a gagné avec Elena. Mais c'est bien. C'est très très bien. Comment ça, pas tout le monde? Pas toi, Ultraiox. Et oh là 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 là. Ultraiox qui vit mal son WAC. Hein. On vit tous mal notre WAC. Hein. Moi-même, quand Jean Pierre Coff me gueulait dans les oreilles dans la grande finale, j'ai très mal vécu mon WAC. Hein? Moi je l'ai bourré Jean-Pierre Coff, je l'ai tué, voilà. C'est ma pute, t'entends? Non. Mais oui, c'est ça. C'est mon gros. C'est mon sac, c'est ça, c'est mon sac. Pas de grossièreté. On va encore avoir des problèmes avec Famille de France ou je ne sais pas quoi. Bon, il fait quoi Justin Wong là? Hein? Ça suffit. Il est aux galettes aussi, Justin Wong. Mais voilà, bah, moi je vais aller voir un peu de Smash, je vais vous raconter ce qui se passe hein, sur Smash. Hein. Parce que Cosmo est là sur ce match, hein. C'est grandiose. Il ne joue plus au jeu, il dit. Ça va bien Foster? Tu vas? Comment on va? Bah ça va bien, regardez, il joue plus au jeu, hein, il a dit, officiellement. Il est quand même là. Mais après c'est toi, hein. Nous on attend juste que Justin Wong fasse son match et après c'est vous, on vous met là. Il n'y a pas d'embrouille. Hein. Y a pas d'embrouille. Check check. Alors c'est qui contre qui là? Parce que moi j'essaye, parce que j'ai un public à tenir hein, quand même. Oui. Décide. Oh là là, magnifique. Ouais, normalement lui c'est Zelda à la vie à la mort. Oh, y a un petit peu
C'est dur, hein, il y a une vie, il y a une vie perdue pour Messi de gratuitement. Il est tombé dans le trou, il a marché sur son lacet. C'est Cosmo, tu joues à côté de Cosmo. Ah, ça, c'est des trucs gratuits. C'est des trucs gratuits. Oh mon dieu, je joue contre Mera Daigo. Oh mon dieu, je joue contre Cosmo. Il fait des vues sur internet. Je vais pas pouvoir le tuer. Moi, j'ai joué contre le youtubeur Jean-Pierre Coff. Ça y est, c'est bon? Ah, merci. Allez, fini de meubler. On va s'asseoir sur les meubles maintenant. C'est parti, mesdames et messieurs. C'est la grande finale. Allez, un peu d'applaudissements pour la grande finale de l'année, s'il vous plaît. On est en DSC. Smash juste après. Et ça vous poupinise. Voilà. Et le premier match, il est pris. Ah, cette petite New Generation envoie tellement du Rekukiaku. Alors évidemment, dictateur, le problème, c'est comme il n'a pas le river sale, il ne peut rien faire contre ça. Enfin, rien faire, si c'est faux. Hein, je mens. Voilà, il peut faire des choses. Mais il faut qu'il trouve la bonne solution parmi un nombre de choix très important quand même. Hein. Ben, moyen point est bien joué hein, pour éviter le devil reverse. Il est tellement en avance là pour le moment. Se fait long. Hésite à mettre l'Erika quand même. Et il se maintient juste comme il faut. Oh, il le met très court dans ce psycho-crocheur. N'a pas peur. Hein. En tout cas, Kenneth, eh bien, il est un petit peu mal mis au début. Cette chapelle est bien, cette chapelle est très très bien, cette chapelle en plus, ça saute en arrière pour éviter le dragon en plus. Il y a une super qui est juste là. Kenneth qui attend, par contre, c'est pas bon du tout. Ah, ça va, on a dit à l'Ukraine qui part en diagonale Sama. Mais c'est lui. Mais regardez-le. Il gît Justin Wong. Il a déjà bourré cette team une fois. All Sagat, hein, Tiger. Et il va Tiger sauter toute la terre. Je pense qu'il va nous offrir notre vente du rêve. Alors je sens que vous êtes heureux d'être ici au Slugfest. Allez, faut le tuer. Le Rekukiaku peut. Voilà! Voilà! C'est comme ça qu'on fait avec le combo derrière. Ah! Il a joué contre Justin Wong, il a gratté sous la pression. C'est Justin Wong en face. C'est un joueur professionnel. Et voilà. Ambiance est bon, ambiance est bon. Justin Wong est fatigué, il vient de jouer à Kiki. Plus sur quel jeu il est, joue à quoi là encore, qu'est-ce qui se passe, Tiger Shot, allez, ça tend nous Tiger Shot, il n'y a pas de très bon là-dessus, il n'y a pas de très bon, et c'est Rekukiaku, il est dans le temps, mais non, le saut est trop évident, mais Tiger encore fait, c'est évident, lui aussi, Tiger Shot hausse, qui est super bien joué, avec la mise au point, faut punir, avec un barbouille à point, c'est bien, mais il y avait décalage dragon, une manip très difficile à faire, même si Félon marche très très rapidement, elle peut le faire, il peut le faire, il est encore au 0 de vitale totale, et c'est le 1 partout, la guerre. La guerre n'est pas terminée. Ah, il est bien, il est bien, il est bien. Hein. C'est Zaki, je crois, le Félon, qui eh bien, est en train de s'ambiancer. Là, justement, voilà, saute, passe, top, et enfin, je vais dire ça. Il pouvait jogger, il pouvait jogger. Il est dragon, il est dragon, il est dans le manier dragon, il est dans le manier dragon. Il fait coup de pifle. Justin Wong, il a perdu la première fois. Vous n'en valez pas, vous pouvez applaudir, mais. C'est Justin Wong qu'il faut applaudir quand même, excusez-moi, avec la première fois qu'il a perdu. Et c'est pas grave, parce que ça ne fera qu'éventuellement une cette banquette. Alors on a beaucoup parlé hein, du guy de Malek, ce guy qui va moyen sur le coup, qui tue toute la planète Terre. Ne sous-estimez pas ce joueur, ne sous-estimez pas du tout. Oh là là, ça bourre la chope quand même. Derrière le Rekukiaku, il n'y a pas de combo, par contre le reverse dragon est bien, ça garde les crosses là-bas. Oh là 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 là. Meilleur shop de l'histoire, hein, Malek. Hein. Et Kukaku encore. Avec le dégage dragon, les Kukaku sont pour le moment très très bons. Et ce fait long. Et ce fait long, mes amis. Et ce fait long. Comment est-ce qu'il a pu conserver sa charge? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si c'est que le sens de ce découpe qui n'est pas le bon finalement. Très bon cross-up et dans le bourrage, il y a le bourrage. Qu'est-ce qu'il y a en décalage dragon? Oh là là, il est bien. Il est bien, il était combien installé avec Kukaku, c'est overhead. Il a pris avec le décalage dragon qui est bien puni d'un Malek qui est acculé. Comment faire? Comment faire? Comment faire? S'il vous plaît, comment faire? Donnez-moi, donnez-moi sous canicule. Et bien voilà, il s'est fait braquer sur un dos si vite du Félong de la Team New Generation. Et j'ai peur de dire une bêtise à chaque fois sur le nom, donc je ne pique pas. Mais du coup ça veut tuer, c'est reparti, c'est la grande finale mes amis. Il y a le reset et Justin Wong veut sa revanche. Justin Wong n'est pas content. Justin Wong n'a pas aimé ça, voilà Justin. Rekukiaku avec le combo qu'on aurait manqué, il est dans le Rekukard. On aurait tellement dû mettre un dragon, ça serait tellement pas.
passer avec du cas du dragon, avec le dragon qui nous emmène, les oreilles au cap dans la gare, il y a un très bon jeu de diversion, il est bon, il décolle en arrière parce qu'il pense qu'il va y avoir le but, et là, Jack Long, et bien il met la carte. Et les dragons ont pour moment. Let's go Justin. Justin qui va se mettre dans le coin, il a un game plan hein, pour le moment. Attention, quand on peut sortir de la vie, il faut surtout pas prendre trop de Tiger Shot. Non, oh là là, my game, c'est dévoré des mind aussi. Et là, c'est my game, il a pas le droit de sauter en arrière comme ça. Faut absolument le casser, les bouches. Le mix-up, il est dans le vortex. Justin qui est acculé dans le coin, mais qui a évidemment pas mal d'avantages avec ça. Oh là, il est tellement de buteur. Attention sur les deux parce que Justin Long il a tendance à pas mal reculer. Et là, il faudrait pas s'emballer parce que 3 Tiger Shot et c'est le stun. C'est ça qu'il faut pas oublier. C'est quand même Stunfest hein, ici. Alors, avec Kukaku est cassé par son arrière-pompier. Il a eu un revenir à une série de Tiger Shot. Enfin, Justin Long qui prend la roue là. Il a fait le dragon. Il est dans le coin à présent. Le décalage HK avec la choc et pas les chauffer. La spéciale s'agace. Mais il a parfaitement gardé le cross-up. Et il s'enfuit. Je m'enfuis. Inji, je m'enfuis. Dragon, on l'a mis sur la crâne. Il a un dragon ici. Le mid-stop. Y'a pas de mind game. C'est pas terminé. 1 à 0. Justin Long face à la planète entière. Et ça discute sévère. Est-ce que Millionaire se sent capable de tuer? Non, il se sent pas capable de tuer. Il va donc laisser sa place à Balcor, il me semble, à Chumi. César, merci. Ah, merci le public, il y en a qui suivent là. Je crois, ça fait plaisir. Je ne vois pas les joueurs. Allez, il est bien, il est vite. Sur Thomas, c'est sa phase officielle. Hein. C'est la Zaggy phase. Hein. Il y a le Kairi combo, il y a la Zaggy phase. Il l'a pris à chaque fois, Justin Long. Très légèrement en avance à l'énergie. Il choisit eh bien, de jouer le timer. La super, mais la bourrée de dragon, elle a absolument rien à branler, hein, Justin Long. Hein. Il y a aussi tout branle, lui non plus. Hein. Très dangereux hein, cette série Tiger Shot, faut surtout pas les prendre, le second est capable de rester à l'autre bout d'écran à faire Tiger Shot jusqu'à la fin du chrono. Hein. Donc faut pas qu'il ait peur, hein. Il va rester à l'autre bout d'écran à faire Tiger Shot jusqu'à la fin du chrono. Hein. Si tu survis, bah t'es bien. Hein. Pour le moment, ça survit assez bien. Il va venir, il est là, il est vulnérable. La chape, c'est les champions, il est encore en avance. À 5 secondes de la fin, il est en retard, il est en retard, il est touché, il est touché. Oh, c'est pas possible. Le pixel de live, regardez le sourire. Dans ce saut qui a voulu empêcher de finir ce Tiger Shot, mais normalement les sauts en avant ne sont pas possibles. C'est vraiment le véritable problème d'utilisation sur Tiger Green. Tiger, le Tiger Trap, c'est en train de s'installer avec Justin Long qui a pris quand même cette balayette, mais qui Tiger Shot, Tiger Uppercut avec Tiger Shot Trap. C'est impossible de sortir de là, c'est impossible. Comment faire? Comment il peut se sortir de ce foutoir absolu ici? Zaggy, ça va être compliqué, mais il a réussi à mettre au cœur avec une super. Il est passé du style, il n'a pas pété. Vol. Card checking. C'est un scandale, monsieur. Non, c'est bien joué de la part de Justin Long. Et il est le dernier. Mesdames et messieurs, il est le dernier. Allez, j'espère que vous entendrez. C'est un tonnerre d'applaudissements pour Millionaire. Il faut qu'il réussisse à supporter. Ah voilà, on joue la guerre, ça peut être la solution. Il vous a entendu, Millionaire. Ne fais pas ça. Dosco, s'il te plaît, arrête de couper, Justin. Je t'en supplie. Justin, arrête de couper. Fais pas ça. Voilà, Dosco, ça termine dans la guerre. Je rappelle que les Dosco, ils passent sous les Tiger Shot, au-dessus, pardon, les Tiger Shot Low. Et bien, Millionaire, t'as quelques minimums de la victoire. Oh, c'est dommage, j'aurais pris ce Tiger Shot. Parce que là, il retourne au bout de l'écran. Et voyez, ce Dosco, il est bien utilisé quand même. Il a la super de charger. Il va pouvoir le pousser. Il va tellement pouvoir le pousser. Dosco, il ne stoppe pas l'autre chose. Il le met au sol avec un autre plein. Avec un Kenneth, oh, regardez, il est tout long, hein, vous dis. Il a le saut,
Il est moqué, Justin. Il s'est fait tuer par un Honda. Il se fait pas tuer par les Honda aux États-Unis, Justin. Et là, il se fait tuer. Attention, parce que Kenneth, il a quand même pas mal d'arguments avec une bonne piscette qui passe. Smoke Rest Reversal qui est bien joué, mais surtout Sodos, quand il s'est pas posé des problèmes. Évidemment, il est bougé Reversal parce que dès qu'il est dans le Lockstone Infinite, c'est bien joué, il a pas mal assez bien joué. Attention, parce que là, c'est très dangereux. Oh, l'explosion super. Et c'est puni par un presse. Le touche sur le Reversal. Il est bien niqué par le saut arrière de Kenneth qui a vraiment, vraiment pas perdu. Il est touché par Manek qui passe un petit peu. Kenneth du Néo Dojo, dont j'ai encore le t-shirt là, du Stunfest 2009. Oh, it's show la guerre. Vous voulez voir des autres shows? Oh, it's show la guerre encore. Il fallait le mettre, il a raté l'option select, malheureusement, je crois qu'il y a là. Ou alors, on voulait pas le faire, mais c'est tellement mieux entre les geeks, tellement mieux de bourrer ça en guerre sale. Doskoy, et ça sort le 2-2. Il a bien qu'il veut faire le comeback et le reverse au suivi. Il est croix en sa victoire. Mesdames et messieurs, on assiste encore une fois à l'éclat de Nudix splendide. Avec... Il a le sourire, regardez. Il a le sourire, Malek. Parce qu'en face, Milania n'est pas content. Je l'ai croisé aux toilettes là, juste avant le tournoi, il a dit de tous les deux. C'est mon tournoi. Il a le match-up pour lui. Malek face à Milana, mesdames et messieurs, c'est le dernier match de cette grande finale de 2-8. Ou de la team Justin Wong va. Oh là là, oh là 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 là. Fais-moi bien l'amour. Fais-moi bien l'amour. Oh, une chandelle. Pareil de la pour la team du dégagement. Justin Wong, tu l'expliques, mais regarde, tu peux faire des zoom-boom. Il le sait. Il le sait très bien. Sommerson ne vient pas. Oh, une chandelle, il y a. Et ce qui me presse a failli rater la mienne en mode. Il est en mode, il est en mode total. Papa. Il a dit tout le monde à la porte sur un magnifique de la raquette. Ce Stunfest 2014 en équipe sur Super Street Fighter 2X. Magnifique comeback, hein, c'est ça 2X1. C'est de l'amour, c'est que de l'amour. Les joueurs finalistes vont me rejoindre sur scène pour la remise des boulots. Et le boulot. Alors qu'est-ce qu'ils ont gagné là? Ils ont gagné des cartons plus gros que je ne pourrais jamais remporter. C'est tellement beaucoup. Il y a beaucoup de pâtés aussi. Beaucoup de paniers repas. Beaucoup de paniers repas. Envoyez-les-moi, s'il vous plaît. Envoyez-les-moi. Le troisième. Kika Batteriox, tu vas faire la remise de l'eau. Puisque tu es là, il faut se rendre utile dans la vie. Quelle finale! Et c'est encore des finales incroyables. Restez ici, ne partez pas, sauf pour aller faire peut-être un petit besoin pressant. Et c'est dur, quand on est installé dans son transat, de se dire « Ah, bah, si je pars, il y a 400 mecs là, qui vont me fouiller ma place !» Juste après, sur ce stream, c'est pas marqué, mais on va avoir droit au top 3 de Smash Bros. Melee avec Cosmo. D'ailleurs, dans ce top 3, et Foster en commentaire, très très bon commentateur de Smash, avec qui j'ai eu déjà l'occasion de travailler dans ces Smash-là. Mais non, c'est Smash. Comment ça vous avez fini depuis tout à l'heure? Ils ont fini Smash depuis pas encore. Ah d'accord, 3-3, très bien, écoutez. D'accord, monsieur, on ne s'énerve pas. D'accord, 3-3. Envoyez-moi les joueurs, là. S'il vous plaît, je sais, il y a du sel. Justin Wong a dit, fais Sonic Boom, fais Psycho Crusher, mais ça n'a pas suffi. Mais il mérite quand même. Hein. Il a failli tomber toute la planète, mais c'est fou. Hein. C'est complètement fou. Hein. Est-ce qu'il a fait Malcorp? Ce qu'a fait Milania. C'est truc de malade. Ok, on les envoie pas. Eh ben, je garde les golos. C'est pas un problème. Monsieur d'Horizon, avez-vous quelque chose à ajouter à ce sel de Guérande, au beurre salé breton? Alors, faut savoir que le Queenama n'est pas mal non plus, hein, spécialité de la Bretagne. Si vous voulez manger équilibré, le Queenama avec du sel de Guérande, ça n'a aucun sens. Ouais, le Queenama, moi, c'est ça, on va... Et comme Malek et Zouzou le disent,
All my brothers testify!